n'a pas encore Arthur. Dans les tâches quotidiennes, il y a des trucs qui sont quand même à faire. Combat le boss de confrérie, bah, ça va être difficile. Terminer le Forsol Gale. Ouais, ce serait bien de terminer le Forsol Gale. Niveau libre aussi. Ok. Si, je vais quand même aller faire ces trucs-là. On va quand même faire ces trucs-là. Je les ai déjà fait, ces trucs-là. On s'en bat les steaks. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt à l'échiquier géant? Pour faire les récupérer des gemmes au passage, des diamants. Allez, c'est la guerre. Et voilà, c'est la victoire. On passe à la suite, vite. Ça, c'est cool. Niveau 8, c'est nous les plus forts du monde. Ok. Yay! Chou. Ah, faut que je me retienne de pas dépenser mes diamants. J'avais envie de dépenser mes diamants pour acheter des héros. Mais c'est stupide. Faut pas le faire. Il faut pas le faire. Alors, comment je peux faire hook avec ma souris? Ok, on va faire avec la souris comme ça. Ça va être la galère. Ça va être la galère! Mais c'est pas possible! Mais c'est. Je peux pas le faire avec la souris! Ah, casse les couilles! Bon, je trouverai une solution. Je pense que j'ai des raccourcis clavier pour le faire. Faudra que je trouve. Je vais arrêter demain. Bon bah les steaks, pas ce soir. Oui. C'est un échec. Tant pis. Le mini-jeu. Thank you.
Ok. Ok, ça c'est fait. On va repartir dans la première ville de Vania pour aller faire les niveaux libres de Vania. Comme ça nous fera. Hop là. Donc là, on a fait quoi? Quelle tâche? Ok, ça c'est bon. Ah, cool. On va aller faire le Fort Sol Gale après. Donc, boum. Allez hop. Augmenter le niveau d'amitié avec le village en aidant les habitants. Allez, go. Bonjour madame. Ça fait des mois que mon fils Jazz est déployé au Fort Sol Gale. J'attends désespérément son retour. J'ai entendu que de nombreux soldats étaient revenus après l'effondrement de la forteresse. Tous les merdes reçoivent une liste des soldats qui doivent revenir. Y a-t-il des soldats de notre village qui ne sont pas encore rentrés? Non, il est peut-être trop occupé pour y penser. On peut lui demander. Ok, bah très bien. Allons-y. Vous des nouvelles, vous devez être ici à propos de la liste des soldats qui doivent revenir. Hier, j'ai reçu la visite d'un messager, mais seule une partie des soldats déployés est sur la liste des retours. Et ceux qui n'y figurent pas, que leur est-il arrivé? Qui sait? Mais je compte faire venir tout le monde pour leur montrer la liste. Certains seront très heureux, d'autres seront dévastés, mais on n'y peut rien. Oh bah, ça a l'air de beaucoup de chagrin, et le vieux. Hein. Le maire a appelé tout le monde pour consulter la liste des soldats qui reviennent, mais Jazz n'était pas dessus. Je ne comprends pas pourquoi. Vous croyez qu'il est arrivé quelque chose? Bah oui, il est mort. S'il vous plaît, allez à la forteresse pour savoir si mon fils va bien. Je vous en supplie. Ok, bah on y va, on y va. Il y a un coffre. On ouvre le coffre. Il y a un diamant dedans. Voilà. Allez. Je veux... Alors... On va prendre des trucs d'amélioration. On va faire les trucs. Puis on va bien voir. Il n'y a personne dans cette direction. Il faut chercher dans les débris pour voir si on trouve quelque chose d'utile. Écoute le cochon. Ferme-la, sale porc. Ne me gêne pas si tu ne comptes pas m'aider. Je ne vais vraiment pas t'aider alors. Alors ne te mets pas sur ma route. Si c'est ce que tu veux, je ne vois pas non plus. Je ne vais pas non plus te mettre sur la route des monstres alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Débarrasse-toi de lui, Meliodas. Alors... Ça va être facile. Je t'en prie, Gibus. Ouais, je vais reprendre les vidéos AOS, t'inquiète pas.
Ça va se faire. Merci à toi d'être passé, ça m'a fait plaisir. J'ai des choses à dire sur AOS, y a pas de problème. Je partagerai ça. Bon repos à toi. Ciao, ciao. Ben voilà. Est-ce que c'est vraiment un fort? Pourquoi y a-t-il tant de monstres? J'imagine que les rumeurs étaient vraies. Quelles rumeurs? Quand le fort est tombé, quelqu'un a prétendu avoir vu un dragon. Serait-ce possible que les monstres de tout à l'heure aient suivi? Merci beaucoup, Gibus. Merci beaucoup pour le soutien. Ça me fait très plaisir. Merci, merci. Je suis content d'avoir pu réparer ma carte graphique. Je vais pouvoir reprendre les lives. Donc voilà, merci. À la prochaine. Le tout à l'heure est suivi le dragon jusqu'ici. Un dragon? Pourquoi un dragon viendrait ici? Qui sait? Pourquoi cet endroit plaît au dragon? Qu'est-ce que tu sais en soi? Je sais que toute cette zone et pas juste le fort sera détruit si on laisse ce dragon tranquille. Ok. Ok. Ah, c'est cool. Ok. Alors, on va en profiter pour booster un petit peu nos héros. Hop là, il fait prendre 10 niveaux, c'est bien. Super réussi, parfait. Hop là. On va booster, où est-ce qu'elle est, machinette? On va la booster elle aussi. Allez. Voilà. Hop là. Est-ce qu'on a besoin de booster Tamriel, on va pas le booster. On va booster Meliodas parce qu'on sait jamais quand on va avoir besoin. Allez hop. Ah, c'est fait. Allez, faisons le donjon de niveau 2. Oh, 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 oh. Ok, alors on va booster Samriel aussi. Ok. Il y a un peu d'équipement, Samuel, ou pas? Ok, on peut lui filer ça. Cette fois, je vais te parler de l'amélioration. Non, on s'en bat les couilles de l'amélioration. Mais j'ai pas envie d'améliorer. Ok. 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 Ok, ok. Il est hors de question de dépenser des revenus pour. Hop là, on va lui mettre un petit peu. Ça, oui, oui, on lui change. Allez hop. Voilà. C'est bon, on est au-dessus. Allez hop, on y va. Salut! Qu'est-ce que ça veut dire Smurf? Mais non, je ne suis pas en découverte du jeu du tout. Il s'agit vraiment de.
Le jeu, je le connais déjà sur mon téléphone. Je suis niveau 56 sur mon téléphone. Non, il s'agit de Smurf, c'est quoi? C'est de raconter l'histoire, développer le truc, c'est ça? C'est de faire un. C'est ça? Morph, dis-moi. Bien, en tout cas, bienvenue. Oui, c'est un nouveau compte, absolument. Même en l'occurrence, c'est un reset du compte pour le stream. Donc voilà. Et voilà. Alors, je vais économiser les diamants, oui. Après, je mettrai pas d'argent dans le jeu. Voilà. Donc on je vais on sort on sortir on s'en sortira uniquement avec l'économie du jeu. Non, non, oui, c'est. Alors, en vrai, j'ai vu pire. J'ai vu pire. Hein. Des jeux qui abusaient grave à ce niveau-là. Mais. Non, non, effectivement, on va pas dépenser de sous. On va pas dépenser de sous. Non, c'est stupide. On va faire comme ça. Comme ça. Et. Comme ça. Ça devrait passer. Non, ça passera pas, tant pis. Alors. Allez. Allez hop. Tchac. Tchac. Mais les graphismes sont vraiment trop cool, les combats, les animations des combats sont hyper sympas, des compétences. C'est trop dommage de pas en profiter. C'est cool de pouvoir l'avoir en format paysage sur ordinateur. Enfin, même si là j'utilise pas du tout l'appli qu'ils ont développée pour ordinateur. J'utilise. J'utilise. Le jeu est plus beau que l'animé. T'es pas le seul à le dire. T'es pas le seul à me le dire aujourd'hui. Que le jeu est plus beau que l'animé. Bah, surtout. Le studio qui s'occupait quoi? De la saison 2? Ou de la saison 3? Je sais plus si. Le changement de studio, il s'est fait entre la saison 2 ou la saison 3. Mais ouais. La saison 1, la qualité graphique de l'anime était top. Je crois que c'est dès la saison 2 qu'ils ont changé de studio. Ah, c'était une catastrophe. Ça a été une catastrophe. La saison. Ah, y a 5 saisons? Ils ont fait 5 saisons de Seven Deadly Sins. Donc ils ont couvert toute l'histoire avec les 5 saisons. Ah bah.
Parce que comme ça, il y a un animé que j'aimais bien. Il y a eu ça, c'est... attention, on va se taper une pub. Oui, l'histoire est terminée. Ouais. Ah. Oui, l'histoire est absolument terminée. Oui, on est... c'est en 41 ou 42 tomes. L'histoire est terminée. Il y a même... si t'as bien aimé, si t'as bien aimé et que t'as pas trouvé que ça partait un peu en couille à la fin, ce que beaucoup de gens ont pensé, dont moi, mais si t'as bien aimé, tu sais qu'il y a la suite. Il y a trois bouquins. Je sais pas si un animé est prévu parce que quand même, ça fait quand même un bon gros bad buzz à l'international. Enfin, en général, les gens n'ont pas aimé la quoi, la préparation de la publicité. Pourquoi tu me... Bon, tant pis. Tant pis, j'aurais pas. Donc il y a déjà trois bouquins de la série suivante qui sont sortis. Ça se passe quelque chose comme 15 ans ou 17 ans après la fin de Seven Deadly Sins. Donc, le Four Nights of the Apocalypse. Ouais, il y a la suite. Tu peux trouver les trois bouquins. Voilà. C'est dans l'univers. Ça se passe 17 ans après. Donc, moi, pour l'instant, j'ai lu que le premier tome. Mais déjà, il parle d'événements, de trucs, de situations. On sait que, a priori, il y a des personnages qui ont survécu. On sait que le roi, c'est Arthur. Et ça se passe dans cet environnement-là. A priori, Merlin est toujours vivante. Enfin, est toujours là. Et tout ça. Donc, voilà. Après, bon, bah. Tout comme pour les Seven Deadly Sins, l'auteur se torche un peu avec l'histoire. Autant avec les Seven Deadly Sins, l'auteur s'était grave torché avec la légende, enfin avec les écrits et le lore des Chevaliers de la Table Ronde et Camelot. Autant là, dès le premier bouquin, on sait que il va pas respecter les quatre cavaliers de l'Apocalypse, que c'est juste pour faire genre.